بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 40 sur le cours des nombres de l'ordre des nombres réels et opérations. Niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. A et B de nombres réels tels que A est compris entre moins 3 et moins 1, B compris entre 7 et 9. Encadré B moins A et 1 sur B moins A plus 2. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez encadrer les deux nombres B moins A et 1 sur B moins A plus 2. Maintenant, on va corriger ensemble notre exercice. Réponse. Encadrant. B moins A. B moins A est égal à B plus moins A. Donc, je vais commencer par encadrer moins A. On a A est compris entre moins 3 et moins 1. Donc, pour trouver l'encadrement de moins A, si vous connaissez la propriété, vous pouvez l'utiliser directement. Sinon, vous multipliez tous les membres par moins 1. Ça donne moins 3 fois moins 1, qui deviendra supérieur ou égal à A fois moins 1, qui à son tour supérieur ou égal à moins 1 fois moins 1. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai changé l'essence des deux inégalités parce que tout simplement, j'ai multiplié tous les membres par un nombre réel négatif. Donc, ça donne 3 supérieur ou égal à moins A, supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, moins A est compris entre 1 et 3. Certains élèves passent de cette inégalité à celle-là, donc plutôt de cet encadrement que vous voyez ici, directement à celui-là. Et je suis d'accord avec eux. C'est possible de passer directement à l'encadrement de moins A en utilisant cette propriété. Si A est compris entre B et C, si A est compris entre B et C, alors moins A est compris entre moins C et moins B. Bon, la démonstration, c'est facile. C'est la même qu'on a utilisée ici. On a multiplié tous les membres par moins 1 et l'essence des deux inégalités a changé. Et puis, on trouve facilement le résultat moins A est compris entre moins C et moins B. Donc, puisque A est compris entre moins 3 et moins 1, donc moins A est compris entre moins moins 1, c'est 1, et moins moins 3, c'est 3. Sinon, vous pouvez faire cette démonstration-là, qui est à son tour facile à utiliser. Puisque, je continue maintenant, puisque B est compris entre B compris entre 7 et 9. Alors, je peux sommer ces deux inégalités membre à membre. Bien, je peux sommer ces deux encadrements plutôt membre à membre. Donc, B plus moins A est compris entre 7 plus 1
et 9 plus 3. B moins A, B plus moins A, c'est B moins A. B moins A est compris entre 8 et 12. Et on a obtenu l'encadrement de B moins A. Passons maintenant à l'encadrement de 1 sur B moins A plus 2. Quel est notre point de départ? Oui, notre point de départ, c'est le résultat précédent. On va utiliser l'encadrement de B moins A. On sait que B moins A est un nombre compris entre 8 et 12. Pour obtenir cet encadrement, ou bien l'encadrement de 1 sur B moins A plus 2, je vais d'abord encadrer B moins A plus 2. Donc, B moins A plus 2 est compris entre 8 plus 2 et 12 plus 2. C'est-à-dire B moins A plus 2 est compris entre 10 et 14. Tous les nombres sont positifs. Vous voyez, 10 est positif. 14 est positif. B moins A plus 2 est compris entre les deux. Donc, il est aussi positif et non nul. Donc, je peux passer à leur inverse. 1 sur 10 supérieur ou égal à 1 sur B moins A plus 2 supérieur ou égal à 1 sur 14. C'est-à-dire 1 sur B moins A plus 2 est compris entre 1 sur 14 et 1 sur 10. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. Au revoir.